Surprise ce mardi 21 mars dans Koh-Lanta, le feu sacré, Benjamin a décidé d'abandonner définitivement l'aventure. Épuisé et blessé, le candidat cède sa place à Tania. De quoi faire massivement réagir le public. La bonne nouvelle fut de courte durée. Souvenez-vous, la semaine dernière, les téléspectateurs de Koh-Lanta, le feu sacré avaient laissé Benjamin filer à l'infirmerie après un accident de plongée. En descendant profond, j'ai une des deux oreilles qui a pété. J'ai la douleur qui s'intensifie sur tout le côté du visage. Ça me fait très mal, l'a confié alors l'allié de Tania en contactant le médecin du jeu de TF1. De quoi inquiéter les internautes. Toutefois, le teaser de l'épisode diffusé ce mardi 21 mars laissait clairement présager de son retour. De fait, le jeune candidat marseillais était bel et bien de retour dans le jeu et a même brillé en aidant sa tribu grâce à ses nœuds de marraine avant la traditionnelle épreuve du radeau proposée ce mardi en guise de jeu de confort. Je suis à bout, Benjamin abandonne Koh-Lanta, le feu sacré. Mais un peu plus tard dans l'épisode, surprise, Benjamin, visiblement à bout de force, s'est saisi du talkie-walkie pour de nouveau contacter le médecin. Sa décision était prise, Benjamin abandonne Koh-Lanta, le feu sacré. Je suis à bout, ça touche mon moral, je n'arrive plus à avancer. Je m'excuse auprès de tout le monde. Je ne peux plus rien faire. Je décide de quitter l'aventure et les jaunes s'est-il justifié auprès de son équipe qui tentera tout pour le remotiver. Arrivant sur place, Denis Brognard a lui aussi essayé, en vain, de lui faire changer d'avis, tous ceux qui ont abandonné Koh-Lanta l'ont regretté par la suite. Benjamin, Koh-Lanta 2023, remplacé par Tania. Si est-il donc Tania, dernière éliminée au conseil, qui le remplace au pied levé. Tous deux étaient très proches durant l'aventure, nul doute que cette nouvelle aura tout de même remonté le moral de Benjamin. En attendant, les internautes se sont montrés très surpris et déçus de cette décision. Il faut dire que le jeune aventurier était plutôt apprécié du public. Télé Loisirs vous propose de découvrir quelques-unes des nombreuses réactions postées sur Twitter. Je suis tellement déçu, pourtant son portrait si est-il pas ce que tu nous avais dit Benjamin, Benjamin t'aurais dû partir au moment où t'étais chez le médecin, ça aurait été plus respectable. Dommage pour Benjamin, je ne suis pas très emballé par le retour de Tania. Ou encore tellement triste pour Benjamin, il pouvait aller largement plus loin j'en suis sûr, mais j'en étais sûr que Tania allait revenir, pouvons-nous lire sur Twitter. Je suis tellement déçu pourtant sur ton portrait c'est pas ce que tu nous avais dit Benjamin hashtag Koh-Lanta, le chroniqueur @emric, mars 21, 2023 quelle honte d'abandonner. En plus d'habitude @Denis Brognard essaye de parler à la personne et la convaincre de rester mais là rien hashtag Koh-Lanta, Nico @Nico09B, mars 21, 2023 le départ de Benjamin, oui il est jeune. Son âge. Mûrir à un mot supérieur à Sam. Hashtag Koh-Lanta hashtag Koh-Lanta le feu acropique. Twitter.com/2kogobano, tipoptv @popmoviatv, mars 21, 2023 hashtag Koh-Lanta franchement les jaunes ont été bien sympas avec Benjamin. Je suis désolé je l'ai déjà dit mais autant les premières saisons c'était compréhensible là je suis désolé si est-il a honte, art of amethyst @songofwriting.
Mars 21, 2023. Benjamin, t'aurais dû partir au moment où t'étais chez le médecin, ça aurait été plus respectable. Hashtag Koh-Lanta, @julienx, Mars 21, 2023. Benjamin, je ne le sentais PS du tout de toute façon. Knest quand même nul d'abandonner. Hashtag Koh-Lanta l'feuzac. Hashtag Koh-Lanta, Charlotte @coconut542571031, Mars 21, 2023. Benjamin qui capitule et Tania qui revient. Hashtag Koh-Lanta pic.twitter.com/f60sknzrd, Thomason @barbro, Mars 21, 2023. Les jaunes versus Tania Diaz Koh-Lanta pic. twitter.com/bm7qh5sik, Louis de Mello @eyowentikazuya, Mars 21, 2023. Dommage pour Benjamin, je ne suis pas très emballé par le retour de Tania. Hashtag Koh-Lanta, Satine, étincelle, @satine-bassande, Mars 21, 2023. Benjamin qui abandonne si esti n'importe quoi. Il y a des personnes qui veulent faire Koh-Lanta depuis 10 ans et toi tu as bon aimé. Hashtag Koh-Lanta, Forever de Joe @foreverjoe73, Mars 21, 2023. Tellement triste pour Benjamin, il pouvait aller largement plus loin j'en suis sûr, mais j'en étais sûr que Tania allait revenir. Hashtag Koh-Lanta, Enzo, Italie, @willylise, Mars 21, 2023. À lire aussi Koh-Lanta 2023, Tania et Benjamin en couple? La mise au point de l'aventurière sur la rumeur.